Il y a près de 9000 ans, l'Europe est couverte par une forêt tempérée qui s'est développée après le dernier âge glaciaire. Au cours de cette période, appelée mésolithique, le paysage forestier est fréquenté par des groupes de chasseurs à l'arc, dont l'économie est basée sur la chasse, la pêche et la cueillette. La vie quotidienne et les pratiques funéraires demeurent cependant méconnues. Au Luxembourg, dans la vallée de l'Erne noire, au pied des falaises gréseuses, divers abris sous roche conservent d'exceptionnelles sépultures préhistoriques. Parmi les différentes sépultures découvertes près de la rivière de Lochebourg, l'analyse détaillée d'une incinération a permis de reconstituer un des rites funéraires pratiqués à la fin du Mésolithique moyen. Lors des fouilles menées en 1935 au lieu-dit Lochebourg, par Nicolas Thiel, instituteur à Effingen, et Marcel Hoyertz, anthropologue et futur directeur du musée d'histoire naturelle, une structure de combustion a été mise au jour. La datation par la méthode du carbone 14 d'un échantillon d'os indique que cette sépulture est vieille de presque 7000 ans avant notre ère. Appelés foyers par leurs inventeurs, cette fosse sépulcrale contenait des cendres, différents os d'animaux calcinés, ainsi que des restes osseux brûlés, appartenant notamment à une crémation humaine. Les recherches anthropologiques récentes ont permis de déterminer que ces ossements appartiennent à un individu adulte, en l'occurrence une femme assez mature. Une des particularités de cette crémation, effet unique connu à ce jour, est la présence sur certains os du crâne de plusieurs traces d'incisions. Ces incisions ne sont pas placées au hasard. Elles sont situées au niveau des attaches musculaires qui tiennent le cuir chevelu. Obtenues à l'aide du tranchant d'un outil en silex, ces traces de découpe suggèrent qu'avant l'incinération du défunt, en particulier ici la défunte, il y a eu l'intention volontaire de traiter le corps, une pratique funéraire intentionnelle, peut-être pour prélever le scalp. Ce rite funéraire particulier, à savoir le prélèvement du cuir chevelu, puis la crémation, sont des gestes à différencier du cannibalisme. Pour son dernier voyage, la femme de Lochebourg était parée de quelques coquillages, fossiles de type Baiana lactea, qui proviennent des affleurements tertiaires du bassin parisien situé à 200 km à l'ouest de Lochebourg. La crémation de Lochebourg s'avère être une des rares expressions funéraires connues en Europe nord-occidentale, datant de près de 7000 ans avant notre ère, attribuée à la fin du Mésolithique moyen, à la culture des groupes compris entre la Meuse, le Rhin et l'Escaut.
elle constitue la plus ancienne sépulture connue à ce jour sur le territoire luxembourgeois. L'étude récente de cette crémation spectaculaire à l'échelle européenne apporte un éclairage nouveau sur la complexité des rites funéraires et des croyances pratiquées il y a 9000 ans par les chasseurs-cueilleurs mésolithiques.